bonne humeur aujourd'hui, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire plein de petites choses pour faire kiffer. Mais là, j'ai un petit peu pour tout le monde. Ça, le filtre que j'ai trouvé pour faire mes mignons. Maintenant, je vais la porter sur Canva pour faire les polices d'écriture, pour étudier ça et tout. Et ça sent extrêmement bon. Ça sent la framboise sèche. Comment déjà un peu de mettre un bonbon dans mes cheveux. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On est le lundi 5 avril et c'est le lundi de Pâques. Toute la semaine, je vais bosser de 9h15 à 18h. Donc c'est mon dernier jour de congé avant d'aller travailler. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre pour faire une sorte de petite journée. Vous voyez, genre, c'est la dernière journée avant que j'aille bosser tous les jours. Alors c'est la petite journée que j'ai envie de... pas comment dire, où j'ai envie de prendre soin de moi ou à faire que des petits trucs qui me font plaisir. Genre, je suis pas forcément de bonne humeur aujourd'hui, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire plein de petites choses qui vont me faire kiffer aujourd'hui. Des petites choses toutes bêtes, mais qui après font qu'on se sente bien, quoi. Donc aujourd'hui, là, il est 10h24. Donc la première chose que j'étais en train de faire et je me suis dit que j'allais faire avec vous, c'est que je vais me faire kiffer en m'achetant un petit top qui me fait envie depuis quand même pas mal de temps. Je l'avais vu en magasin, il était en LXL. Donc niveau taille, c'était pas ça du tout. Et je l'ai vu sur Vinted. Et donc je me dis que bah voilà, genre ça fait super longtemps que je le voulais et tout. Et je l'ai revu sur Vinted et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas, etc. Donc ça, enfin, on n'est pas obligé d'acheter des choses pour se faire plaisir. Mais là, ça fait partie des petites choses qui, voilà, me font plaisir. Donc achat réalisé avec succès. Donc je suis contente. Je vais avoir mon petit top. Je vais vous le montrer. C'est un... enfin, j'espère qu'il m'ira. C'est une petite blouse bleu électrique comme ça, vous voyez, genre un beau bleu, bah ça se voit, c'est un bleu bien électrique et tout. Et je sais pas, je trouvais qu'il m'allait vraiment très très bien, genre quand je l'avais essayé, je trouvais que la couleur m'allait bien et tout. Enfin bref, j'avais eu un gros coup de cœur pour ça. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai fait. Pas trop quoi faire aujourd'hui, j'ai trop envie de me faire une petite salade de fruits, de prendre une bonne douche, vous voyez, faire les masques, les soins, etc. Jouer un petit peu, refaire une game de LOL, ça me ferait trop plaisir aussi. Enfin bref, faire plein de petites choses comme ça, donc écoute, je vais vous prendre avec moi tout au long de ma journée. Du coup, on se retrouve dans la cuisine et en fait, j'ai très envie de me faire une salade de fruits. Je pense que je vais faire fraises, bananes, raisins et je vais aussi me faire un petit thé et je vais aller me poser un petit peu dans mon lit en regardant une petite vidéo. Donc, je vais me faire une petite salade de fruits, un petit thé et je vais aller déguster ça dans mon lit. Vraiment dégueu, genre l'annonce de la neige semaine, genre il y a 3 jours j'étais en robe, il faisait magnifique, splendide, et là il fait tout gris, il drache, il va neiger, tout ce que vous voulez. Donc pour le moral, c'est pas vraiment, voilà, voir la pluie couler sur les fenêtres ça va, mais voilà, c'est pas tout de ouf. Donc je pense que là je vais aller me faire une petite game à LOL, ça fait super longtemps. Bon, je vais faire une petite game, ça va me faire du bien, ça va être chouette. Je suis contente, je souris parce que ben, ça me fait longtemps. Ah, je suis contente, allez faire ça. C'est chouette de pouvoir prendre le temps de refaire des choses qu'on n'a plus le temps de faire. Franchement, c'est chouette. Allez, go. J'ai perdu. Du coup, bah, ça me rend pas heureuse du coup. Ça m'énerve, c'est la seule que j'avais envie de faire et j'ai perdu. Du coup, en fait, j'ai eu le seum. Du coup, je me suis mise à mon bureau. Et je pense que je vais... enfin, j'ai recommencé une vidéo de Limitless Mind de Clara. J'ai mis ça et je vais essayer d'avancer un peu sur mon montage. Parce que j'adore faire du montage. Donc, je trouve ça vraiment trop, trop bien. J'adore faire ça, mais j'ai l'impression de consacrer du temps à faire des choses qui... rien. Vous voyez, genre... une youtubeuse que je suis, Pauline, elle a commencé il y a 1 an ses vidéos et là elle est trop fière parce qu'elle a passé les 33 000 abonnés. C'est trop bien, je suis super contente pour elle et tout. Moi je me dis, bah ça fait 1 an que j'ai commencé, 1 an et 3 mois. J'ai 174 abonnés puisque j'en ai perdu 2 depuis que j'ai sorti ma vidéo hier. Du coup ça m'a un coup au moral parce que je me dis, je passe 8 heures à
faire un montage sur une vidéo, je prends du temps. Enfin, je sais, j'ai l'impression de me donner pour faire quelque chose qui me plaît, etc. Mais que ça apporte pas ses fruits. Et ça me fait vraiment de la peine. Quand je dis porter ses fruits, je m'attends à quoi? En fait, j'ai vraiment envie de partager avec les gens, en fait. Et là, je partage rien avec personne. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que je sais pas si je me mets en 4 pour que ça serve à quelque chose. Ça me ferait plaisir de savoir, même si vous êtes 3 personnes à regarder mes vidéos. Si vous aimez bien, si le contenu vous plaît, si vous aimez bien le montage, avoir un retour. Plusieurs retours, ça me ferait vraiment plaisir. Genre, je suis en train de monter, je monte une vidéo de 33 minutes approximativement. Là, j'ai déjà mis 4 heures à tout dérush. Donc, j'avais 2 heures. Et là, pour faire tout le montage, tous les plans et tout, j'en ai encore pour, à mon avis, 5-6 bonnes heures de montage. Moi, c'est pour une vidéo que les gens voient, que 3 personnes voient, donc c'est un peu compliqué. Je vous l'avoue, j'essaie de bien faire, je m'applique pour essayer de faire des jolies miniatures, enfin une belle bannière, pour trouver de chouettes musiques. Après je me plie en 4 quoi, donc je vous jure, ça me ferait trop plaisir. Et du coup pour en revenir à mes moutons, je vais commencer un peu le montage, enfin un peu, j'ai déjà commencé, mais je vais continuer mon montage sur ma partie 3. Et on se retrouvera après pour voir ce que je pourrais bien faire d'autre. Capable de s'évader de prison. Et j'ai Alain. Oula. Oh, on va voir. C'est stylé. Par contre, ça fond. Ça y est, j'ai plus ou moins rebroussé ma vidéo TF. Elle fait 32 minutes 30. Je vais vous montrer un peu la timeline quand ça aura fini. Genre, à certaines vidéos, j'ai beaucoup plus de trucs. Mais là, j'ai un petit peu beaucoup moins. Donc là, en fait, il est 3h02 tout rond. Et d'enregistrer mon montage, il me restera les musiques à mettre. Mais ça prend quand même du temps, les musiques. Et normalement, après, j'aurai plus qu'à faire la miniature. Donc, franchement, je vous ai dit... J'ai commencé ça, je crois, il était midi. Donc ça fait quand même 3h que je suis dessus. Je vous avais dit, avec le truc et tout, je suis déjà à 7h de montage. Je vous l'avais dit. Mais voilà. Il y a un beau ciel bleu, regardez. En plus, il vient neiger. Ça, c'est la Belgique. Regardez un peu. Il y a un beau ciel bleu. Et par là, il fait tout gris. Mais il venait de neiger. Maintenant, il y a du soleil. Je comprends plus rien. Mais sinon, programme restant pour la journée, ce sera plus, à mon avis, je pense que pour les choses qui me feront plaisir, je vous récupérerai plus après mon sport de ce soir. Donc, je vais essayer le nouveau challenge, le bikini avec 667. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça commence ce soir, 5 avril jusque le 3 mai, un truc du style, je sais plus. Et on commence ce soir avec la première vidéo. Et donc, à mon avis, on se retrouvera après le sport. Très bon moment à la douche, faire tout plein de soins et tout. Et là, je sais pas trop ce que je vais faire. Et là, à mon avis, je vais remettre une petite vidéo YouTube. Comme ça, en même temps, je vais aviser pour ce que j'ai envie de faire avant que le sport ne commence. Les gars, tout à l'heure, je vous ai dit, oh, il a plu et puis il y a eu du soleil et tout. Regardez maintenant ce qu'il y a. Wesh, il neige. J'suis en train de tout me choper en plein visage. Il neige. Alors, si vous vous demandez pourquoi il a fait soleil puis il a plu, maintenant il neige, ça s'appelle la Belgique. Et tout ça en l'espace d'une heure. Il fait froid par contre, je vais vite rentrer parce que je suis recouverte de neige. Et place en ma manche. Du coup en fait je vous ai pas pris puisque je vous ai dit qu'on se retrouvait plus tard. Et en fait je vous ai dit je suis en train de regarder une vidéo. Je viens de découvrir Clara. Prononcer, regardez par vous même parce que moi pour prononcer j'ai pas envie de faire de gourde. Je vous le noterai à l'écran. Et je suis en train en même temps de faire ma miniature de ma vidéo TFEP3. Je suis en train d'essayer de faire ma miniature quoi. Donc j'ai mis le filtre que j'ai trouvé pour faire mes minia. Maintenant je vais la porter sur Canva pour faire les polices d'écriture, tous les petits dessins et tout. Là on la voit. Et alors je vais essayer de voir un peu. Je garde un peu la même trame mais je vais faire des miniatures un peu différentes à chaque fois. Comme je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois j'essayais de faire toujours la même chose. Parce qu'en fait je me limitais beaucoup tandis que là je vais reproduire mes les petites étoiles, mettre mes petits textes que j'aime bien, garder les mêmes polices, peut-être bouger le texte etc. Là j'avais 3 images, je trouvais que les 3 images allaient bien. Cette tête résume vraiment bien
le global de tout ce que j'ai vécu. Je vais faire ça. Genre, en fait, je vais vous montrer. Je vais apporter l'image. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, par contre, je vous montre vite fait. Mais en gros, je mets ma petite miniature comme ça. Je vais vous montrer un global avec l'autre et je vous montrerai le résultat pour pas bavarder trop. Donc, j'ai mes petites étoiles. Et donc, en fait, je la mets un peu en flou comme ça, un fond noir. Et je remets la blanche par au-dessus. Alors, je la décale et ça fait vraiment son ombre. Ici, c'est trois fois le même texte, mais de trois couleurs différentes. Ici, c'est un effet un peu reluisant comme ça. Et ici, c'est le biseautage avec les différentes écritures. Ici, en fait, pour toutes les petites trucs que je mets toujours le fond noir. Je sais pas si vous verrez, j'ai tous les petits points noirs et ensuite les petits points blancs. Ainsi de suite pour les étoiles, la petite flèche, le texte, etc. Et donc ça, c'était ma miniature de la semaine, enfin qui est sortie cette semaine. J'ai bien dégommé du coup en bougeant un peu tout. Et on va faire pareil pour celle-là. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà ensuite ce que ça donne. On se retrouve dans la salle de bain. J'ai mangé, j'ai fait mon sport, ainsi de suite, d'où ma dégaine. Et donc là, c'est le meilleur moment de la journée. C'est vraiment le douche ici, les petits soins, etc. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est ceci. Donc un petit gommage granité que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent avec le masque à la menthe. Je vais faire un petit masque pour mes cheveux parce qu'ils sont franchement abîmés. J'ai voulu aller au coiffeur à la fin de mon stage. J'ai fini mon stage le 26 mars. Le 27 mars, la Belgique a refermé les prothésistes ongulaires, tout ce que vous voulez, les coiffeurs et tout, où je me suis fait bien compris. Donc moi qui voulais faire un changement capillaire, j'ai pas su, je commence à avoir mes pointes abîmées, etc. Ben j'ai pas pu couper mes cheveux, donc j'attends. C'est pas prêt avant 20 avril. Donc après je sauterai directement pour pouvoir aller au coiffeur. J'ai envie de faire un vrai changement capillaire, ça fait longtemps que j'ai très envie de faire ça. Donc ce sera pour plus tard. Donc en attendant, je vais essayer d'en prendre soin comme je peux. Et ensuite je ferai mon petit shampoing, etc. à la douche. Donc je vais d'abord commencer par le gommage. Je suis beaucoup trop stylée comme ça, mais ça se voit, genre la peau un peu rouge comme ça. J'ai rincé, c'est très bizarre pour moi d'avoir rincé comme ça, je le fais jamais, genre... Bref, je peux m'éterniser sur le fait que je me suis rincé le visage avec mes mains et un peu d'eau. Ça remonte cette chose, je l'ai acheté sur Shein, c'est pratique quand vous avez les cheveux propres et tout pour aller sous la douche, mais là, c'est chiant, mais au moins ça dégage mes petits cheveux de mon visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon masque, ça doit poser moins 10 minutes. Et en même temps, je vais faire mes cheveux et comme ça, après, je vais à la douche et je rince. Et on se retrouvera après la douche. Time is moving fast, but I can't go. You keep trying to heal, but it don't show. On se retrouve après la douche, je sais pas ce que c'est, enfin ce que j'ai mis dans mes cheveux, j'ai essayé de tester ça. Dans la vidéo que j'ai faite avec Isaline sur le calendrier de l'Avent, je vous avais parlé de cette chose que j'avais jamais testée. Ça sent extrêmement bon, ça sent la framboise sec. Oh mon dieu, j'ai l'impression de mettre un bonbon dans mes cheveux, c'est un vinaigre de rinçage, je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai jamais eu aussi facile de démêler mes cheveux. Genre la brosse à cheveux elle est passée comme ça, il y a pas une rien, que dalle. Et donc j'ai fait plein de points, j'ai fait mon masque, utilisé mon éponge Conjac, bref j'ai tout fait. J'ai même mis de la crème sur mon corps et la dernière étape qui me restait à faire c'était mettre ma crème. Elle est presque vide, il faudrait que j'aille refaire un tour en pharmacie, c'est une crème pour l'acné, enfin bref. Je vais en appliquer un petit peu sur mon visage. C'est la dernière chose que j'ai à faire parce que je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais je n'ai jamais eu la peau aussi sèche. Mais vraiment, j'ai tout qui me tiraille, les lèvres, la peau du visage, surtout le visage, le corps. J'ai la peau toute craquelée, je n'ai jamais eu une peau aussi sèche, mais vraiment, les boutons sont revenus, c'est une certaine joie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que j'ai la peau aussi sèche cet hiver. Oui, c'est l'hiver, etc., mais jamais j'ai eu la peau vraiment aussi sèche, genre je crois. Même la peau de mon visage pelait, alors que j'ai une peau grasse. Ça m'a semblé bizarre, donc il faudrait que j'achète une crème très 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 hydratante. J'arrive pas à récupérer ma peau avec mes crèmes que j'ai. Elle tiraille, là les lèvres et tout, je vous parle, mais ça me brûle, enfin, assez bizarre, donc je vais mettre du baume à lèvres après. Mais la dernière étape que je vais faire, c'est laver mes dents. Donc j'ai mis ma crème, maintenant je vais laver mes dents et on sera déjà à la fin de cette vidéo.
Vous êtes un peu de travers, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Il est 21h15. J'ai ressorti mes combis. Là-bas, j'ai toujours cru que c'était un renard. On va toujours dire que c'est un renard. Je ne veux pas entendre quelqu'un dire que c'est autre chose qu'un renard. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, j'ai trop envie de ressortir un beau pyjama et tout. En fait, je tourne tout le temps avec mes pyjamas haut et bas. J'ai ressorti une grenouillère. Voili voilou. Et donc, je vais laisser sécher mes cheveux tout seul. Et là, vu qu'il est 21h15, je vais préparer un peu toutes mes affaires pour demain. Et je vais faire un peu de montage, dont le montage de cette vidéo. Donc, dans tous les cas, en fait, on est à la fin de cette journée. Si je dois faire un bilan, franchement, ça m'a fait du bien de consacrer vraiment du temps pour ce que j'avais envie de faire. Oui, à LOL, faire du montage, enfin bref, tous des petits trucs comme ça. Même sous la douche, franchement, ça m'a fait trop du bien. Même mes cheveux, je vous l'ai dit, ils se démêlent tout seuls. Enfin, c'est vraiment le temps que j'ai pris à mettre quelques trucs dessus et tout. Enfin, ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi. Mais après, je suis pas à l'aise non plus d'avoir pris cette journée pour moi, parce que je me dis que vu que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, j'ai perdu du temps pour l'école. Un cercle vicieux, c'est horrible. Même s'il me reste une semaine après cette semaine-ci et que j'aurai 24 sur 24 pour bosser, à chaque fois je me dis ça et j'arrive pas à tenir une journée à travailler. Donc plusieurs fois dans la journée, je me suis dit, purée, tu bosses pas pour l'école, t'as ton TFE, t'as tes trucs et tout. Mais bon, moi j'ai profité, voilà, j'ai avancé blindé sur les montages des vidéos et tout, donc je suis quand même contente. J'ai fait mon sport, je suis sortie, même si je suis très vite rentrée, j'ai pris le temps de faire ce que je voulais faire, quoi. Donc franchement, ça fait du bien. Franchement, je vous recommande de prendre le temps de prendre soin de vous. Tout en fait, c'est même pas prendre soin de nous, c'est prendre le temps de faire ce qu'on aime, ce qu'on n'a plus eu le temps de faire depuis peut-être parfois longtemps. Enfin, de faire ce qu'on aime, de se dire que voilà, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Et après, vous vous sentez bien, vous dites en fait, ça faisait super longtemps que vous n'avez pas pris le temps de faire quelque chose, donc voilà. Mais beaucoup de blabla pour vous dire que c'est très bénéfique. Et que surtout, on est à la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu de passer une petite journée avec moi dans les petites choses que j'aime. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao.